Eva, c'est bon. Donc là, ça va, je suis dans le champ, même si je me tourne. Oui, là, il y a le flash. Hein. Oui, oui, là, c'est bon, t'es dans le champ, même si tu tournes. Mais pense à regarder aussi vers là, attends. Okay. On est bon. Bon, faut qu'on ait une discussion. Concernant le boulot. J'ai eu Philippe, tu sais, mon ex... Pourquoi tu veux parler de ton ex? C'est un ex, c'est bon. Ouais. J'ai eu Philippe au téléphone et apparemment, il a pas mal de propositions de boulot pour moi, mais il faudrait que je parte sur ex. Mais comment tu as fait pour avoir son numéro? Je suis toujours restée en contact avec lui. Donc tu lui parlais? C'est un ex, c'est bon, c'est fini, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais non, je ne vois pas souvent, ça va de temps en temps. Et voilà. Là, il a eu une proposition à me faire pour le boulot et ça impliquerait que je sois en déplacement régulièrement. En déplacement? Tu te fous de moi ou? Pourquoi? En déplacement? Oui, en déplacement. Déplacement professionnel. Ah. 1, 2, 3. Quoi? Ah! Non, tu me charries. Mais non, je te charrie pas, 1, 2, écoute. 3. Moi, j'en ai marre de rester à la maison, de rester enfermé ici. T'en as marre de rester avec moi? De suite! J'ai pas dit que j'en avais marre de rester avec toi, j'ai dit que j'en ai marre de rester à rien faire de ma vie. J'ai des propositions pour le boulot et j'aimerais vraiment en profiter. Pourquoi tu restes pas à Nice? Tu travailles ici? Mais j'ai pas de boulot ici dans ce que je fais. Comment ça? Tu n'aimes pas ce que tu fais ici? Si, mais c'est pas épanouissant. Comment ça, je comprends pas? C'est pas épanouissant. Mais qu'est-ce qui te manque ici? Ce qui me manque ici? M'épanouir dans ce que je mets, dans ce que j'aime. M'éclater dans ce que mais je fais. Mais tu vas faire la même chose là-bas? Pas juste m'occuper de mon homme, de mon chien, de mon gosse. Et les disputes avec tes parents, avec les miens. Ah ouais, Philippe te propose autre chose. Bah, il a eu des propositions pour moi. Ah ouais? Et tu m'en parles comme ça, de façon... Écoute, je t'en parle le plus simplement du monde, comme je suis censée devoir t'en parler. Tu te fous de moi, là? Non. Ben, c'est où? À Aix. Ah, comme par hasard. Comment ça? À Aix, avec ton ex. Ouais, à Aix, avec mon ex. C'est cool, ça c'est... Ouais, c'est Aix avec mon ex. Ouais. C'est pas avec mon ex, il m'a proposé du boulot là-bas, lui, il a des conditions là-bas. Pourquoi lui? Et pourquoi pas toi? Eh ben vas-y, trouve-moi toi du boulot dans ce que je là, fais. Là, tu travailles, tu restes ici à côté de moi, t'as une vie ici. Pourquoi tu veux partir? Pourquoi est-ce que tu veux partir? Je comprends pas. C'est pas un choix de partir. Mais non, c'est tu juste une opportunité. Sortir, partir, tu te fous complètement de ton foyer, quoi. Mais je me fous pas complètement de mon foyer. C'est toi, là, qui est borné, hein. Pas moi, hein. Ah ouais? T'as changé, hein. Comment ça, depuis quand j'ai changé? Non, je te reconnais plus, là. Depuis quand j'ai changé? Tu veux me parler de ton ex comme ça, de façon naturelle, quoi. C'est un ex. Un ex que tu vas retrouver. Oh, écoute, tu veux qu'on parle de ta cousine? Oh ta non, ma cousine. Non, c'est juste une parole, c'est tout. Ma cousine, c'est quoi? Tu veux qu'on parle de la petite brune hier soir aussi? La petite brune, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la petite brune hier soir, que tu fréquentes là depuis un mois, soi-disant. Ben non, on s'est croisés au piano. C'est quoi? Mais c'est vrai. Ouais, je dois accepter, c'est normal. J'ai juste chanté avec elle, après, il ne s'est rien passé du tout. Je la connais même pas. Écoute, n'essaie pas de te trouver un prétexte pour partir. Si tu veux me quitter, tu me le dis. Ok? Je ne veux pas te quitter. Ben si, si tu vas à Aix, c'est pour ça, retrouver ton ex. Bah, c'est un mini sketch, hein, c'est bon. Okay. C'est ça, non? Il n'y a pas de délire. Hein, c'est ça? Tu me reconnais plus depuis quand? Tu me reconnais plus? Tu me parles de ton Philippe. Oh là là. Tu sais, moi je me casse. Voilà.